Jamais never make les gens plus puissants que toi. People more powerful than you. Dis à ton voisin, ne rends jamais les gens plus puissants que toi. Never make people more powerful than you. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel 3. 2 Samuel chapitre 3. Quelqu'un va lire à partir du verset. Someone will read by the verse 1. 39. Amen. Amen. Dis, oh Dieu, say, oh God, délivre-moi deliver me du puissant. From the mighty. Délivre-moi deliver du puissant from the au nom souverain de Jésus. In the sovereign name dis Amen Jesus. Trois fois, c'est scellé. Amen three times, it is sealed. Acclame le Seigneur et assois-toi. Clap for the Lord and sit. Assois-toi. Be seated. Que Dieu te bénisse. May God bless you. E sarami malo garo sero Ferami mora inogalo sosorom zagaro E sarami mora bina odela iskram Yasuri Besuram malo krefit wa inamora in Aksara vodela sri Donc, dans ce passage, in this passage que je voudrais partager avec toi rapidement. I would want to share with you quickly. La Bible dit, la proie du puissant lui échappera-t-elle? Of the mighty will escape. Et Dieu répond, oui, elle lui échappera. God says, it will escape. Ne rends pas les gens plus puissants que toi. Ça c'est le thème. Ne rends pas les gens plus puissants que toi. Je voudrais que tu comprennes. Parce que la gloire a des principes. Il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a des règles qu'il faut maîtriser dans la vie. Si tu veux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Vous savez, nous sommes tous ici à l'église, mais on n'a pas la même histoire. Chacun a ses origines. Mais nous nous retrouvons parce que nous croyons en Jésus-Christ et en sa faveur. Mais ton succès ou mon succès ne dépend pas des gens, mais de moi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de nous se bat pour réussir sur la terre avant de mourir. Ce n'est pas ça. Hein? Tout le monde se bat, non? Chacun veut quelque chose qui va le faire briller. Ça peut être le mariage, d'autres c'est bon, l'argent. Pour certaines personnes, c'est le travail. Dans tous les cas, personne ne souhaite le malheur pour lui-même. Nous tous, là, on se bat, là, on veut réussir. Tu veux vivre bien quand même avant de mourir. Donc, mais pour y parvenir, il y a des connaissances que tu dois avoir. Toutes les personnes que vous voyez réussir dans la vie ont des règles qu'elles ont découvertes. Et qu'elles respectent. Et ça, je ne sais pas où les enfants du prophète de Canaan. La sagesse de Dieu devrait être sur vous. Par les enseignements que je vous donne. La vie, c'est des lois. Qu'on ne vous trompe pas. Regardez. Vous voyez le monde, n'est-ce pas? Hein? Le monde. Tout ce qui concerne l'univers et la création répond à des lois. Ça, c'est la première vérité qu'il faut savoir. C'est des lois. Et ces lois sont à la portée de tous. Et il faut les découvrir. Et pour les découvrir, il faut être conscient qu'elles existent. Pour les chercher. C'est pour cela que Matthieu 7:7 devient capital pour nous. Cherchez et vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez,
dans nos vies. Donc, ce sont des lois. So these are principles. Par exemple, si tu vas au marché, tu veux manger, mais mon ami, nous on n'a pas le pouvoir des esprits pour faire apparaître la nourriture. Mais il y a des lois que tu commences à respecter. Un, tu dois produire de l'argent. Ça, c'est la première chose. C'est une loi, c'est comme ça que ça fonctionne. De deux, tu dois concevoir le repas dans ton esprit. C'est ça, appeler à l'existence ce qui n'est pas comme si c'était. Je veux manger le couscous manioc avec la sauce d'arachide, avec le maquereau dedans. Tu as conçu en toi. Maintenant, tu appelles la chose à l'existence. Tu te déplaces, tu vas vers le marché. Le marché ne se déplacera jamais pour ta maison. C'est toi qui y vas. Maintenant, tu dois aller acheter la farine. Tu dois aller acheter le poisson et tous les ingrédients qui vont avec. Et quand tu rentres chez toi, tu ne déposes pas ça devant le réchaud et le réchaud commence à préparer pour toi. Le réchaud ne préparera jamais pour toi. C'est toi qui dois allumer le réchaud. Et ces repas que tu as achetés, le poisson, ces denrées alimentaires que tu achètes, ne se mélangeront jamais seuls. C'est toi qui dois prendre tes choses. Tu mets ça à ça. Tu mets ça dans la marmite. Et puis, quand tu as fini, le repas est prêt. Maintenant, il y a la loi du service. Tu dois te servir toi-même. Le riz ne viendra jamais sautiller dans le plat et puis la sauce est pour te servir. Venez sur la table, patron, on est cuit, mange-nous. Ça n'arrivera jamais. Donc tu peux laisser ta nourriture préparer là. Tu la regardes, tu regardes. Si tu attends que la nourriture saute dans le plat pour te servir, tu vas mourir de faim avec la nourriture. Parce que c'est une loi. Tu dois te servir. Et tu t'assois à table. Maintenant, une fois à table, même si tu es quel genre d'homme de Dieu, tu es ou n'importe comment, la nourriture là ne va jamais sauter de ton assiette pour ta bouche. C'est une loi. Tu dois mener ta main, prendre, mettre dans ta bouche. C'est comme ça que les choses sont établies. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que nous faisons sur la terre répond à tes lois. Seigneur, aide-moi à leur transmettre ça. L'habit que tu portes, the clothes you're wearing right, c'est une puissance. It's a power. C'est la divinité que tu as manifestée. That's divinity you manifest. Parce que laissez-moi vous montrer une chose. Let me show you something. Ça passe à la télé, n'est-ce pas? That's on live. On retiendra à jamais. We will always retain. Quand la télé, that on the TV, tu passais à la télé, you were passing on the TV, the most beautiful. Voyez notre soeur. You see our sister. Regardez comment elle a bien ses cheveux look au vent. How the hairs avec the wings. Le foulard-ci qu'elle a passé comme ça, la banderole là. Et avec sa robe aussi. Est-ce qu'on l'a forcée à porter ça? C'est son choix, n'est-ce pas? Elle pouvait venir en pantalon, chemise. Ça dépendait d'elle. On la verrait comme elle aurait décidé de venir. Donc elle a décidé de créer un événement. Elle a créé une circonstance dans sa vie. Parce qu'elle est une déesse. Et aujourd'hui à la télé, on la voit comme ça. Et ça restera gravé comme ça. Même pendant 1000 ans. Après 10 000 ans, lorsqu'on prendra les images de ce jour, on la trouvera vêtue comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui l'a vêtue comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui l'a coiffée comme ça? C'est son choix, n'est-ce pas? Elle a créé une circonstance dans sa vie. Ok. La coiffure que tu as sur ta tête, mon ami, tu as créé ta destinée. Dans, à l'heure-ci, so at this à l'époque-ci, où time, tu es assis, where you are seated, elle pouvait être assise derrière. She could have been sitting behind, à l'heure-ci, dans, à l'instant T-ci, elle pouvait time, être assise derrière, mais elle assise devant. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui l'a mise ici? C'est son choix. Elle a créé un événement dans she sa vie. C'est une loi. La loi de la création ou la loi de l'attraction. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? So what will I tell you? La vie est basée sur life des lois. Is based upon law. L'oiseau est fait pour voler. The bird is made l'homme, to non. Fly. Man, donc, no. Si tu te mets sur le toit, so balcony, tu sautes you jump, pour voler, to fly, on va t'enterrer. We will bury c'est you. Une loi, en fait. Tu as violé une loi. You le poisson est fait pour vivre dans l'eau et l'homme sous l'oxygène, dans l'air. Si l'homme plonge dans l'eau, plus que prévu, il meurt. Il a violé une loi de la nature. Si le poisson met l'homme hors de l'eau, plus que prévu, il meurt parce que ce n'est pas son monde à lui. Il a violé une loi.
La vie, c'est les lois. Le succès, c'est les lois. Et l'échec, c'est le reflet des violations des lois du succès. C'est ça, échouer. Maintenant, dans le passage qu'on a lu, la connaissance que j'ai apprise, je vous la partage, ne rend jamais personne dans ton univers plus puissant que toi. Jamais, c'est une erreur. Never, ne rends jamais personne dans ton univers plus puissant que toi. Vous voyez, see, dans le passage qu'on a lu, passage, il y a deux cas. Au verset, au chapitre 2, il y a eu une guerre. War, parce que vous savez, Israël, Israël a été divisé. Israël s'est divisé à la mort du roi Saül. Vous savez que Saül, c'est le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? C'est le premier roi. Et il régnait sur tout le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël était divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Donc, Juda et Israël. Quand Saül est mort et que David a voulu prendre le pouvoir, les partisans de Saül se sont fâchés contre David. Et ils ont dit à David, tu ne peux pas régner sur tout le royaume. Donc David est calé avec sa tribu. Il est devenu le roi de Juda. Et en Israël, le fils de Saül a régné, qu'on appelait Ish-Boshet. Ish-Boshet. C'est Ish-Boshet, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Le problème, c'est où? C'est que Ish-Boshet était le fils du roi et son père avait un général qu'on appelait Abner, qui était le général de l'armée d'Israël, de tout le royaume. C'était un homme puissant, plus puissant. C'était un homme redoutable. Ish-Boshet était le fils du roi. Quand le roi est mort, Ish-Boshet était incapable de devenir roi. C'est le général de son père, le général de l'armée, qui va prendre Ish-Boshet et lui dit, je vais faire de toi un roi. Et il le récupère et il l'emmène. Il convoque les anciens et les anciens écoutaient le général Abner et non pas le fils du roi Ish-Boshet. Maintenant, je pose une question. Qui est-ce que le peuple devrait écouter? Le fils du roi, l'héritier ou le général? C'était qui normalement? Le fils du roi, n'est-ce pas? Les gens devraient avoir peur de qui? Le général ou le fils du roi? Le fils du roi. Ok. Entre le fils du roi et le général, qui devrait avoir peur de l'autre? C'est le fils du roi qui était devenu le roi. Donc, il est devenu roi. Et la Bible dit que Abner a aimé une femme qui sortait avec Saül, le père du roi Ish-Boshet. Ish-Boshet, en tant que roi, a convoqué le général de son armée, Abner. Et il a dit à Abner, pourquoi tu allais sortir avec la concubine de mon père? Tu ne me respectes pas. Et la Bible dit ceci. Ish-Boshet, Abner a dit ceci au roi d'Israël, le fils de Saül. Il lui dit, attends, c'est à moi que tu parles, comme si tu parlais à une tête de chien. Tu oublies que c'est moi qui t'ai établi roi à cause d'une femme comme ça, parce que j'ai goûté un peu, tu viens, tu me grondes, tu me parles mal. Ok, comme tu l'as fait, aujourd'hui, je vais te montrer que comme je t'ai mis au trône, je peux aussi t'enlever. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je ne ramène pas tout le peuple qui te suit à David ton ennemi. Et David était ennemi avec Abner. Et il y avait eu la guerre entre David, les hommes de David, et les hommes de Ish-Boshet, de la maison de David, avec trois généraux. Joab, Abishai et Azaël. Et ils sont partis
dans un village, une ville qu'on appelait Gabaon. C'est là-bas que l'armée de la maison de Saül et l'armée de la maison de David se sont rassemblés pour lutter. Et ils ont fait la guerre. Les gens de David, David avait trois généraux. Joab qui était le chef des généraux et Azaël et Abishai. La maison de Saül avait un seul général, Abner. Donc après cette guerre, Abner et son armée ont perdu. David a gagné. Mais quand Abner fuait, un des généraux de David, dont le petit frère de Joab, du général Joab, Azaël, s'est mis à poursuivre Abner, qui était le général de qui? La maison de qui? De Saül, n'est-ce pas? Qui était ennemi de David. Bien, vous comprenez, vous êtes de bons élèves. Donc, pendant que Azaël poursuivait Abner, Abner lui a dit: pardon mon frère, détourne-toi de moi, arrête de me poursuivre, parce que je ne veux pas te tuer. Azaël n'a pas écouté. Il l'a supplié plusieurs fois. Comme Azaël, qui était le petit frère du général de David, Joab, n'a pas voulu écouter, le général de Saül s'est retourné et il a tué le petit frère du général de David. Maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Et il y avait donc une guerre. Le général de David voulait tuer le général de Saül. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Maintenant, quand le général de Saül, qui est devenu le général d'Ishbosheth, le fils de Saül qui était le roi, le roi est venu lui dire: pourquoi tu couches avec telle femme qui sortait avec mon père? Il dit que tu me parles comme ça. Ok, je vais t'enlever du trône. Aujourd'hui, je vais ramener tout le peuple à David, ton ennemi. La Bible dit quoi? Que le roi Ishbosheth n'a pas répondu. Il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'Abner. Abner pouvait le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'erreur qu'il a commise, c'était quoi? Dans son univers, en tant que roi, il n'avait pas le pouvoir. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est quelque chose qui est un peu compliqué. Je prie que Dieu m'aide à vous l'expliquer comme je le comprends. Ishbosheth était roi, mais il avait un général qui était plus puissant que lui. Il avait un général que le peuple craignait plus que le roi. Donc il était roi, mais il n'avait pas le pouvoir. Celui qui avait le réel pouvoir sur son royaume, c'était Abner. C'est dangereux. Lorsque dans ton univers, il y a des gens qui prennent le contrôle de ton univers, quand toi-même tu n'as pas contrôle sur ton univers. Attendez, je vais, Seigneur, aide-moi. Wait, Lord, help me. C'est dangereux lorsqu'il y a des gens dans ta vie qui ont tellement une influence négative, forte et puissante sur toi, que tu ne peux pas prendre des décisions contre elles. Si tu ne peux plus prendre librement des décisions contre les personnes qui font partie de l'ornement de ton royaume, qui est ta destinée, tu es en danger. You're in danger. S'il y a des gens dans ta vie à qui tu ne peux pas dire pars sans avoir peur que la personne te fasse du mal, parce qu'elle a le pouvoir de te faire du mal, tu es en danger. Now you're in danger. Tu rends la personne plus puissante que toi. Et c'est toi qui peux rendre quelqu'un plus puissant que toi. Et quelqu'un peut être plus puissant que toi sur plusieurs choses, à cause de certaines choses. Quelqu'un peut connaître de toi des secrets dangereux. Il devient plus puissant que toi dans ton univers. Tu es roi, mais tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas punir la personne. Tu ne peux pas décider contre la personne. Tu ne peux pas gronder la personne. Tu peux faire des reproches à la personne, parce que toi-même tu sais que la personne te tient en main. Vous savez, méfiez-vous de qui vous faites votre confident. Tu peux susciter toi-même des Abner dans ta vie sans savoir. Tu dois être le maître de ton univers si tu veux prospérer, si tu veux la gloire. Tu ne peux pas mener une vie de gloire s'il y a des gens qui te contrôlent.
Non, non, ça va, je vais encore expliquer. On vient dire à Thomas Sankara, they come and tell Thomas Sankara que Blaise Compaoré veut l'assassiner. Wants to murder him. Mais vous comprenez la réponse de Thomas Sankara? Do you hear the answer of Thomas Sankara? Hein? Vous n'avez jamais suivi l'audio là? Tapez sur YouTube l'audio de Thomas Sankara sur les rumeurs d'assassinat par Blaise Compaoré. Thomas Sankara dit quoi? Il dit ceci. Si un jour Blaise Compaoré vous dit je veux tuer Sankara, ne vous opposez pas à lui parce que vous ne pourrez rien faire contre lui. Si Blaise Compaoré veut me tuer, je suis déjà mort parce qu'il connaît des choses sur moi plus que moi-même. Voilà son audio, c'est ce que Thomas Sankara dit. Que le jour Blaise Compaoré va vous dire que je viens tuer Thomas Sankara, ne vous opposez pas à lui. Parce que c'est le seul homme sur la terre qui me connaît comme ma mère connaît sa cuisine. C'est le seul homme sur la terre. Si tu dis qu'il va m'atteindre, il ne manquera pas où m'atteindre. Pourquoi? Parce que Sankara avait donné trop de pouvoir, plus qu'il n'en avait, à Blaise Compaoré dans son propre pays. Il était président, mais celui qui avait le pouvoir, c'était Blaise Compaoré. C'est dangereux lorsque tu commences à élever quelqu'un. Or, qui donne le pouvoir à Abner? C'est le roi. Méfie-toi d'une personne à qui tu dis tes secrets, you tell your secret, mais qui ne te dit jamais ses secrets. He never tells your his own secrets. Méfiez-vous Be careful des personnes on people, qui aiment toujours à taper votre ventre on people that always pour que vous vomissiez ce qu'il y a dedans, mais qui ont une armure en airain. Quand tu tapes sur le fer, ça va ding 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 ding. Mais quand on tape sur les intestins but et tu vomis. Méfie-toi d'une personne qui veut toujours te sonder pour que tu lui confies ce que tu ne confies à personne. Parce que celui qui a ton secret te tient. Un ami qui te dit toujours, si tu veux pleurer, hein, il y a une épaule, mon épaule. Lui, tu tends ton épaule, il ne vient jamais. Hein. The shoulder, he never comes. D'ailleurs, quand il pleure, même tu n'es pas au courant. Cries, so c'est une personne dangereuse. Very dangerous person. Ne rends pas les gens plus puissants que toi dans ton propre univers. C'est une erreur. It's a mistake. Il y a certaines personnes parmi vous, vous manquez de sagesse. You lack some wisdom. Toute ta vie, tu remets entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais même pas bien. Quelqu'un dont tu n'es pas sûr de la moralité. Quelqu'un qui ne t'a jamais donné un secret digne de ce nom. Worthy of that name. Vous savez, you know, moi, je suis un homme de principe. I'm a man of principle. Et que Dieu m'aide. And may God help me. Que le Seigneur m'aide là-dessus. May the Lord help me. J'ai causé avec un de mes petits frères. I was sharing with one of my junior brothers. À l'époque, quand mommy était malade, when mommy was sick, c'est la seule personne à qui j'avais dit I told qu'elle souffrait d'un cancer. She was suffering of a cancer. C'est la seule personne. The only person. Et on priait pour ça. We et donc l'autre jour, je lui ai écrit. So je lui ai demandé, j'ai dit, toi, je t'avais donné un secret. You, il dit oui. He j'ai dit, et toi, tu n'as pas de secret que tu m'as donné, c'est your où? Secret, it, il m'a répondu, grand frère, la guerre a commencé, pardon. Je me disais que tel jour, je t'avais donné mon secret. Il m'a dit, moi, je n'ai pas de secret dangereux comme ta part. Voilà ma part de secret. Il a commencé à lister les secrets qu'il m'avait donné. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te donner un secret et tu ne me donnes rien en retour. Tu me tiens, je te tiens. You hold me, I hold you. Si vous savez que quand la Russie, when Russia, les États-Unis bagarrent, ils bavardent, mais ils ne peuvent pas déclencher la guerre. War, parce que chacun sait, connaît chacun. Tu appuies le nucléaire, je appuie l'atomique, on se détruit. And we destroy each other. Une personne person qui entre dans ta vie ne la rend pas plus puissante que toi. Ne lui donne pas le contrôle de ton univers. Ton univers, c'est toi qui dois le contrôler. Pas quelqu'un d'autre à ta place. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Ce qui va me choquer dans le passage, lisez le verset 39. C'est ça qui m'a dépassé. Il y a des gens parmi vous, tu as perdu le contrôle sur ta vie. Ta propre vie, tu ne peux plus prendre décision. Parce qu'il y a des gens qui te font chantage sur chantage. Chantage sur chantage. Vous vous souvenez de mon chauffeur, ex-chauffeur qui allait porter plainte contre moi dans une radio
que j'ai mangé son argent et tout. Imaginez-vous donc que si c'était quelqu'un que je menais une mauvaise vie. Parce qu'il y a des gens dangereux autour de toi. Le chauffeur, le cuisinier, ton garde du corps, les trois là, c'est les personnes les plus dangereuses dans ta vie. Quand ton garde du corps derrière ta marche, tourne-toi de temps en temps, tu es là quand même. Pas que tu n'as pas confiance, mais par mesure de prudence. Oui, le gardien, oui, le gardien sécurité, oui. Faut faire attention. Regardez le verset 39. Oui. Verset 39. Je suis encore faible. Écoutez bien. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. J'ai pleuré pour ça. I cried about it. J'ai pleuré. I've cried about mes amis, j'ai pleuré. My friend, I've cried. J'ai pleuré. I've cried. Mes bien-aimés, my beloved, mes amis, my friend, que Dieu te conduise dans la gloire. May God lead you to mais the qu'il glory. Te fasse comprendre le secret des lois qui mènent à la gloire. L'erreur de David, the mistakes of David, ne la commettons pas. Let's not commit it. Comment vous pouvez m'expliquer? How can you David, David, c'est le plus grand guerrier en Israël jusqu'à aujourd'hui. Warrior in Israel until today. Il n'a jamais tourné le dos he never turned the devant une armée. Against il an n'a army. Jamais perdu une bataille. He never lost any battle. Mais but il y a une bataille a battle, secrète secret que David a perdue. Il ne craignait pas une armée, mais il craignait trois personnes, les fils de Tseruja, Joab, Azaël, Abishai. David dit ceci, je suis roi, j'ai reçu l'onction royale, c'est vrai, la main de Dieu est sur moi, mais je suis encore faible. Car j'ai peur des enfants de Tseruja parce qu'ils sont plus puissants que moi. Excuse-moi, c'est que la prédication c'est comme la drogue, pardon. C'est comme ça que Dieu va taper tes ennemis. Ils vont être balancés à gauche et à droite, ça va. Ne te fâche pas. Excusez, c'est que quand l'esprit excuse te prend me, déjà. Est-ce que vous comprenez? It, le roi David, King David lui-même dit himself says qu'il est faible. Weak, quoi qu'il soit le roi, yet he is the king, que les enfants de Tseruja, les trois généraux de son armée, sont plus puissants que lui. C'est pour ça. Why, vous savez, you know, l'homme qui a tué Saül, the man that killed Saul, quand il a annoncé à David, qu'est-ce que David a fait? What has David, did, David a dit tuez-le, n'est-ce pas? David said, kill him. Hein? On l'a tué. C'est pas killed, ça. Mais lorsque Joab, Joab a tué Abner, Abner pour se venger de la mort d'Azaël, son frère, sans dire à David, David, dans les habitudes de David, David normalement, David, il te tuerait. Mais est-ce qu'il a fait le reproche à Joab? Est-ce qu'il a pris une condamnation contre Joab? Est-ce qu'il a pris une décision contre Joab? Non. Pourquoi? Why? Il avait peur de lui. Jesus. Pourquoi il avait peur? Why was he fearing him? Qui sait pourquoi? Who knows why? Qui sait? Who knows? Parce que Joab, because Joab, Abner, Abner, Joab, Azaël, Azaël, Abishai, Abishai connaissaient les secrets les plus sales de David. The deepest secret of David. Celui qui avait tué Uri, he that killed c'était Uri, les trois. They were the three of them. Eux savaient and they knew que David, it, that David avait écrit une lettre wrote a pour tuer Uri, Uri et prendre sa femme. Quand wife, la femme d'Uri venait en secret, c'est eux secretly, qui commanditaient tout. The toutes les magouilles de David, all the tricks of David, ils le connaissaient. They knew them. Donc, so, David était devenu leur captif, became, leur prisonnier. The captive, the prisoner. C'était un roi, he was a king, mais il n'avait pas la royauté. La royauté the, était dans la main de Joab. Et toute la vie de Joab, David life, n'a pas pu David punir Joab pour une seule iniquité. Parce qu'il savait que l'armée était plus attachée à Joab, qu'à lui-même. Hormis que Joab connaissait Joab toutes ses magouilles, tous ses secrets, toutes ses choses louches. Il y a there is un monsieur qui avait son ami. A man that had a friend, et son ami, and a friend, un jour, one day, il causait avec son ami. Talked with his friend, et son ami a sorti. And the friend, son ami connaissait ce qui se passait déjà. The friend knew what avec happened already, l'autre ami du monsieur. The friend, avec la femme de l'autre ami the wife du monsieur. Of the other et le monsieur était allé dormir
avec la femme de son ami, et son ami s'y avait découvert. Et il était revenu, il avait sorti le mouchoir pour se nettoyer. C'était le caleçon de la femme de son ami. Il avait confondu en partant. Donc ça fait que personne ne connaissait, sa femme ne connaissait pas, ses enfants ne connaissaient pas. Seul son ami s'y connaissait ça. Son ami là, avec qui il allait avec sa femme, ne connaissait pas. Donc à chaque fois, parce qu'il était le patron de son ami c'est qui connaissait l'histoire du caleçon. À chaque fois que son ami commettait une gaffe dans l'entreprise et qu'il sort une lettre, une décision de punition, destitution, avant qu'on lise, son ami se lève en salle et dit, monsieur le PDG, le caleçon. Dit le caleçon. Les gens se demandent le caleçon, c'est quoi le caleçon? Le PDG, attendez, on va dire, non, attendez. On annule. Il détourne une somme d'argent. On porte plainte. La police vient. On veut mettre les menottes. Et mon PDG, le caleçon. Et il dit à la police, non, je retire ma plainte, je retire. Les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. People were not understanding what happened. Jesus. Lorsque quelqu'un te tient par le caleçon, tu es foutu, mon ami. Qui a mis David dans cette situation? Qui l'a mis dans cette situation? C'est lui-même. Parce que personne ne peut avoir le pouvoir dans ton univers si toi-même tu ne le lui donnes pas. C'est toi qui commences à rendre quelqu'un puissant dans ton univers. C'est pour ça qu'il y a des gens dans ton univers, s'ils partent, tu ne ressens rien. D'autres aussi, s'ils partent, ça fait trembler ton univers. Est-ce que vous comprenez? Et d'autres encore, s'ils partent, ton monde s'écroule. Tu meurs. Ta vie s'arrête. Ça dépend. Faites attention à vos relations. Quand tu veux vivre une vie de gloire, tu dois faire attention aux Abner et aux Joab. Ne fais jamais des Abner dans ta vie. Sinon, ils prendront le contrôle de ta vie. Une personne dont la vie est contrôlée par une autre personne ne peut pas réussir. Tu ne peux plus réussir. Tu es fini. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta vie. Est-ce que vous comprenez le sens de mon message? Hein? Ne rends pas les gens plus puissants que toi. Il y a plusieurs parmi vous. Vous êtes détruits. Parce que vous avez donné trop de pouvoir aux gens sur vous. Maintenant, la personne marche sur ta tête. La personne pense qu'elle est ton Dieu. La personne te traite comme elle veut. Elle fait de toi ce qu'elle veut. La personne, tu n'as plus de valeur devant la personne. Tu es roi pour les autres. Mais pour Amner, tu n'es pas roi. C'est moi qui ai fait de toi le roi. Ne donne pas plus de pouvoir aux gens dans ta vie que toi-même tu n'en as. Que Dieu te bénisse. Et sera mi maloza varami sera. Reverend Bassama. Sera mi mora ifla zaro garazo. Mettons debout, s'il vous plaît. Let us stand, please. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si tu as été béni par ce message, je veux que tu acclames Jésus. Acclame-le, acclame-le. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier contre tout Abner, tout Joab autour de toi. Amen. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, éloigne-moi de ce genre de personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen ce soir. Lève ta main. C'est le mois de la gloire. Ce genre de personnes, c'est pour t'éloigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc tu dois les chasser de toutes tes forces au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Personne que tu n'as pas planté dans mon entourage, tout Abner, tout Joab qui s'oppose à ta gloire dans ma vie, oh Dieu, ce soir je les chasse de mon entourage au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier maintenant. Je veux t'entendre prier contre tout Joab, tout Abner, toute personne que Dieu n'a pas planté dans ton entourage. La Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Ouvre ta bouche ce soir. Dis Seigneur, toute personne que tu n'as pas planté, toute personne que tu n'as pas établie dans mon entourage, à ma présence, Seigneur, qu'elle soit déracinée.
Je la chasse par le feu. Ouvre ta bouche et prie. Ô Père Saint-Dieu de gloire, je commande et j'ordonne que tout abner, tout joie, Seigneur qui n'a pas été établi, bat ta main dans mon entourage familial, professionnel, social. Père, ce soir, je chasse cette personne. Je m'en sépare. Au nom puissant de Jésus, je veux t'entendre prier avec autorité. Je veux que tu pries. Et tout à l'heure, tu pries. Dis à Dieu, je n'en veux pas. Prie. Contre toute personne que Dieu n'a pas établi autour de toi. Que Dieu n'a pas établi dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Je veux que tu pries ce soir. C'est le mois de la gloire. Ces trois jours, dis Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Père, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je veux t'entendre prier. Ouvre ta bouche, je prie. Que l'Éternel, le Dieu de mon Père, commence à déraciner toute personne qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans ton ministère. Que Dieu déracine ces personnes. Que Dieu déracine ces personnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, c'est le premier jour de notre programme de trois jours. Amen. Donc, prie comme tu n'as jamais prié. Amen. Parfois, tu peux être entouré de ce genre de personnes, tu n'es même pas au courant. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux connaître des personnes autour de moi qui s'opposent à ta gloire dans ma vie. Que le Dieu de mon Père les expose au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le genre de prière que le Père nous a toujours apprise. Seigneur, je veux voir mes ennemis cachés. Que Dieu te montre tes ennemis cachés au nom puissant de Jésus. Lève ta main et dis, mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Tout ennemi caché. Toute personne. Qui combat. Ta gloire. Dans ma vie. Dont j'ignore l'identité. Ô Père. Avant la fin de ce programme, expose ces personnes. Expose mes ennemis cachés. Ouvre ta bouche, commence à prier avec autorité. Je veux t'entendre prier ce soir. Ouvre ta bouche et prie. Que le Dieu de notre Père expose avant la fin de ce programme, avant la fin de cette semaine, toute personne qui complote dans le secret contre toi, qui s'attaque à la présence de Dieu dans ta vie, qui combat la gloire de Dieu dans ta vie, qui ne veut pas te voir heureux, qui ne veut pas te voir joyeux, qui tous les jours, nuit et jour, amène ton nom chez les marabouts pour te bloquer, t'enchaîner, te détruire. C'est contre ces personnes que nous prions ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, avant la fin de ce programme, expose toute personne cachée dans mon entourage, dans ma maison, dans ma famille. Je veux te voir prier avec autorité ce soir. Prie avec autorité ce soir. Dis Seigneur, avant que ce programme ne finisse, Seigneur, je veux connaître les personnes cachées, mes ennemis cachés. Oh Dieu, Père, manifeste sa puissance, manifeste son autorité. Que tout ennemi caché, Seigneur, autour de moi, Seigneur, qu'il soit exposé, Seigneur, qu'il soit démasqué, Seigneur, qu'il soit dévoilé. Oh Père, Seigneur, je t'en prie, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas être en compagnie des méchants, je ne veux pas être en compagnie de ceux qui veulent faire du mal. Oh Père, expose-les, Seigneur, expose-les, par la raison de ce programme. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que mes ennemis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui sont cachés, ceux qui complotent contre moi, ceux qui conspirent ma mort, Seigneur, qu'ils soient exposés. Seigneur, que leur masque tombe. Seigneur, fais tomber leur masque. Seigneur, je veux les connaître. Je veux t'entendre prier à mon autorité. Bien-aimé, mets-toi dans une sainte colère. Dis à Dieu, Père, je ne quitte pas ce programme sans que tu aies exposé mes ennemis cachés. Prie ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Papa a l'habitude de dire, quand Dieu veut exposer ton ennemi, parfois il commet des erreurs, il ne sait même pas qu'il commet des erreurs.
Il fait des choses sans savoir qu'il est en train de commettre des erreurs. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, des personnes qui croient être plus puissantes que moi et qui complotent. Vous savez, le Père dit que quand tu as un ennemi et que tu prends pour ami, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et c'est dangereux. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il commette des erreurs avant la fin de ce mois au nom puissant de Jésus. Amen. Tu seras étonné que tu ouvres le sac de ton ami ou bien ton ami ouvre son sac. Tu vois ta photo à l'intérieur alors que tu ne lui as jamais donné ta photo. Amen. Dieu te montre par A plus B que ton ennemi, celui que, ou celle que tu appelles ton ami, c'est le responsable de tes malheurs qui a pris ton nom, amené ta photo, amené chez un marabout. Tu vas prier que ces personnes commettent des erreurs autour de toi au nom de Jésus. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. C'est comme si tu ne comprends pas. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Toute personne dans mon entourage qui a l'identité d'Abner, qui a l'identité de Joab, tous les jours complote contre moi. Oh Dieu. Qu'ils commettent des erreurs. Qu'ils commettent des erreurs. Ouvre ta bouche, commence à prier avec autorité au nom de Jésus. Prie Dieu que ces personnes commettent des erreurs. Que ces personnes commettent des erreurs. Je veux t'entendre prier ce soir. Quelqu'un va commettre des erreurs avant la fin de ce programme. Et tu seras qui veut te tuer. Je veux t'entendre prier. Prie ce soir. Prie. Oh Dieu. Que tout ennemi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Commettre des erreurs. Qui commet des erreurs. Crie à l'Éternel au cœur de notre Père. Crie à lui ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de notre Père?